Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. La Cour constitutionnelle suprême célèbre donc aujourd'hui le 50e anniversaire de l'installation du pouvoir judiciaire constitutionnel en Égypte. Les célébrations se dérouleront sur 3 jours. 48 délégations représentant les cours constitutionnelles suprêmes en Afrique, Asie, Europe et en Amérique latine, ainsi que des représentants de différentes instances judiciaires ont participé à une cérémonie organisée aujourd'hui au siège de la Cour constitutionnelle suprême au Caire. L'envoyé spécial de Naïl TV, Nawel El-Khadari, était sur place. Regardons son reportage. Sous les auspices du président Fattah al-Sissi, la jurisprudence égyptienne, à sa tête, la Cour constitutionnelle suprême égyptienne, célèbre son jubilé d'or. Que de parcours, un parcours éloquent en 50 ans de la magistrature donc constitutionnelle suprême qui a su élever l'Égypte et sa Cour suprême, constitutionnelle suprême au rang des pays les plus développés. Aujourd'hui, en présence de 48 délégations, au moins 50 pays représentés qui sont là pour fêter ce grand événement qui donc a commencé aujourd'hui pour avoir toute une réflexion des tables rondes qui vont se poser sur beaucoup de questions, non seulement qui seront relatives à la question de la Cour constitutionnelle suprême et de son travail imminent, mais aussi en corrélation avec les variables politiques, économiques, universelles. Nous vous souhaitons donc de passer une excellente soirée en notre compagnie et c'est l'événement donc que nous fêtons tous ce soir. اليوم هو يوم عظيم نعيش فيه لحظة تاريخية هامة تحتفل فيها المحكمة الدستورية العليا وتزهو بمرور نصف قرن من الزمان على إنشاء القضاء الدستوري المتخصص في مصر. Vis-à-vis de la Cour suprême constitutionnelle d'Égypte, nous avons des rapports bilatéraux, tout comme on a des rapports avec l'ensemble des cours constitutionnelles, des juridictions constitutionnelles, tant en Afrique, dans la francophonie, beaucoup de rapports. Alors, 50 ans de carrière pour la Cour constitutionnelle suprême égyptienne, c'est aussi l'occasion d'exprimer la solidarité aussi africaine de cette suprématie, de la défense des droits des citoyens, des libertés, des constitutions des peuples africains. Assurément, puisque c'est l'idéal que nous recherchons dans nos rapports que je viens d'évoquer. Et si aujourd'hui spécialement nous sommes autour de la Cour constitutionnelle suprême d'Égypte, ce n'est que vraiment le rendez-vous souhaité. Alors pour le Cameroun, le rôle du Conseil suprême, constitutionnel suprême, il a fait tant de choses pour le peuple camerounais. Quelles sont donc en quelques phrases les réalisations de la Cour constitutionnelle justement camerounaise? Bon, je vais vous d'abord dire que le Conseil constitutionnel n'a que un an et quelque chose d'existence comme institution, mais elle existait déjà. Et à travers la Cour suprême, selon notre constitution, lorsque le Conseil constitutionnel a été mis dans l'institution, la constitution a prévu qu'avant sa mise en place, ces attributions allaient être exercées par la Cour suprême. Ce qui a été le cas, ce n'est donc en février 2018 que le Conseil constitutionnel a été réellement mis en place. Le programme d'aujourd'hui se compose de 4 allocutions, dont celle du président de la Cour constitutionnelle égyptienne, Saïd Marey.
Au cours de, également des projets 48 heures, il y aura donc une zone réservée au débat autour de quatre tables rondes qui vont discuter respectivement de la protection constitutionnelle des droits et des libertés, actuellement dans l'ère contemporaine, la coopération entre cours constitutionnelles et les cours suprêmes, la transparence juridicière et la lutte contre la corruption. Et en dernier, le dernier débat va porter sur l'informatique et son apport pour une meilleure préhension donc, des données judiciaires. Ça, j'ai dit au début que l'Égypte est un leader. Le pays de l'Égypte est un leader économique, politique et même sur l'état de droit aussi. Donc il y a beaucoup que le Cour suprême, le Cour constitutionnelle de l'Égypte a fait et qu'il faut partager avec les autres pays, les pays africains et les autres pays. Il y a beaucoup d'avances dans la jurisprudence que le Cour a fait. C'est une occasion pour le partager. Retournons au studio et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi au studio aujourd'hui M. Nadim Samna, expert international en investissement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. La cinquième édition de la conférence nationale pour les scientifiques et les experts égyptiens vivant à l'étranger, l'Égypte peut investir et développer, a commencé ses activités mardi dernier au centre international de la conférence El Manara. Sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sissi et en présence de la ministre de l'Immigration, Nabila Makram, et la ministre de la Planification, Dr. Hela El-Saïd. Alors, comment avez-vous vu la conférence nationale pour les scientifiques « L'Égypte peut investir et développer » Moi, les retours que j'ai eus sont très positifs. Les investisseurs qui sont venus, qui ont fait le déplacement, étaient ravis de voir ce qui se passe. Ils étaient impressionnés par les nouveaux développements, que ce soit dans la nouvelle capitale ou dans d'autres zones industrielles. Oui. Et je sens aussi beaucoup d'énergie positive. Mm-hmm. C'est-à-dire, voilà, ils ont cette volonté d'aider, d'accompagner aussi l'Égypte dans son développement et dans la transformation de son économie. Oui. Quel était le thème de cette édition? Le thème de cette édition, c'était investissement et développement. Donc, c'était vraiment axé sur les questions économiques. Et c'est pour ça qu'il y a eu la présence de Madame le Docteur Hala Saïd pour aussi présenter aux investisseurs les différentes industries, d'une part, que l'Égypte veut développer en priorité, et là où on a besoin d'aide, oui. Là où on a peut-être des maillons dans la chaîne de valeur économique qui manquent et que les investisseurs étrangers peuvent combler. Oui, et notamment les moyens modernes ou techniques. Bien sûr, là je crois qu'il y a eu plusieurs industries comme l'agriculture, comme pharmacie, il y a plusieurs industries qui étaient ciblées. Quels sont les sujets qui ont été discutés entre le président Abdel Fattah el-Sissi, qui a tenu à rencontrer la délégation des investisseurs qui sont venus en Égypte. Alors, quels sont les sujets qui ont été discutés entre lui et cette délégation? Alors déjà, moi je dis, c'est un signe fort quand même du président pour montrer l'intérêt qu'il porte à ses investisseurs expatriés à l'étranger. C'est quand même, ce sont des personnes qui ont réussi à l'étranger. Et le fait que le président les rencontre, ça montre comment il valorise cette expérience. Oui. Et je pense que le président leur a dit, voilà, moi j'ai les bras ouverts, j'ai besoin d'aide, et venez aider l'Égypte, elle peut vous accueillir, elle a besoin de vous. Alors sans vraiment rentrer dans les détails, c'est après il y a des discussions plus techniques, bien sûr. Mais en tout cas, c'est très, très, très important de présenter ce message.
que l'Égypte a besoin des Égyptiens expatriés et qu'on valorise l'expérience ou le savoir-faire que ces Égyptiens ont développé à l'étranger. Et bien sûr, voilà, le fait de les accompagner, si jamais ils veulent investir en Égypte, ce qui est tout à fait normal. Je pense que la grande majorité de ceux qui ont fait le déplacement sont intéressés par les opportunités d'investissement en Égypte, c'est qu'ils auront l'aide et l'appui du président. Et ça, c'est un signe vraiment très, très fort. Oui. Monsieur Samna, je vais profiter de votre présence avec nous, puisque vous avez vécu longtemps en France. Alors, comment l'Égypte pourrait-elle profiter au maximum de la présence au Caire, ces jours-ci, de cette délégation d'investisseurs? Je pense, enfin, le premier point, aujourd'hui, moi, des discussions que j'ai eues, beaucoup d'investisseurs n'ont pas visité l'Égypte depuis très longtemps. Donc, ils ont eu vraiment une grande surprise, pour certains en tout cas, de voir tout ce qui se passe, de voir aussi qu'il y a une démarche scientifique de planification et de préparation de l'avenir. Il y a un vrai projet pour l'économie égyptienne. Et on va dire, ça, ce point, ils sont habitués à ça, on va dire, dans leurs pays respectifs. Et le voir en Égypte, et le voir que l'Égypte adopte sa démarche, ça les rassure sur les chances de réussite de l'Égypte. Donc ça c'est un sujet important. Il faut leur présenter tout ce qui s'est passé, tout ce que l'Égypte a accompli ces dernières années, leur donner aussi les messages ou les recommandations pour qu'ils suivent une démarche d'investissement s'ils veulent investir en Égypte. Je pense que, premier point, il faut qu'ils aient des contacts dans le tissu économique égyptien, dans les industries qui les intéressent, pour savoir aussi quels sont, ce que je disais tout à l'heure, les maillons qui manquent, qu'ils peuvent combler. Les informations, qu'elles soient fournies facilement pour eux. Voilà. Donc là, je peux citer l'exemple d'industrie textile. C'est une industrie très importante en Égypte. Mais il y a toujours des maillons comme ça. Il n'y a pas d'entreprise qui produisent ou qui sont dans ce maillon. Il y a toujours des produits semi-finis qui doivent être importés de l'étranger. Ces investisseurs, s'ils ont le savoir-faire de ces maillons, ils peuvent l'implémenter en Égypte et ainsi compléter l'intégration verticale, l'intégration verticale de l'industrie en Égypte. Oui. La ministre de l'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Madame Nabila Makram, a affirmé que la conférence l'Égypte peut par l'investissement et le développement a atteint son objectif. Alors, quel était son objectif? Pour moi, l'objectif premier, c'est présenter le développement et les accomplissements de l'Égypte depuis quelques années. On peut regarder comme ça sur les réseaux sociaux ou même à la télé, mais le fait de voir de visu, en physique, tout ce qui a été fait, eh bien, ça donne un... Encourage les investisseurs à venir investir en Égypte. Voilà, ça éblouit. Les investisseurs, c'est le mot que je cherchais. Ça éblouit les investisseurs et du coup, ils sont tout de suite, ils commencent à faire des calculs dans leur tête, à dire mais comment je peux profiter de cette croissance? Il se passe vraiment quelque chose en Égypte. Et comment je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où on peut profiter de ces investisseurs en leur présentant aussi des partenaires sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Parce qu'ils vont partir dans leur pays, on va dire, d'adoption ou de pays professionnel. Mais ils ont besoin de relais pour... Les nouvelles générations, quand même. Alors, les nouvelles générations, mais aussi pour les démarches d'investissement. Parce qu'avant d'effectuer un investissement, on a besoin de faire des études de faisabilité, on a besoin d'avoir des permis ou des certifications. Il y a des démarches, même si aujourd'hui il y a le guichet unique qui facilite beaucoup les démarches administratives. Comment avez-vous vu ce guichet unique, on peut dire, qui aide à servir les investisseurs et à leur présenter
un bon service, également faciliter les procédures gouvernementales. Comment avez-vous vu ce... C'était un point très important, c'est très nécessaire. C'est ce qui se passe partout dans les autres pays. Il y a une direction ou une chaîne de communication entre les investisseurs et l'administration. On va plus... Donc vous voyez que ça va aider. Pour avoir un permis. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Alors, dans la pratique, comment ça se passe? Quand on a un projet, on va dire, simple, clair, ça marche bien. Et aujourd'hui, petit à petit, il faut enrichir les services qui sont proposés par les guichets uniques pour aussi accomplir des services, on va dire, qui sortent un peu de la norme. Parce que chaque projet peut être unique. Oui. Chaque projet peut avoir besoin de certifications spécifiques. Oui. Monsieur Samna, Madame Makram a rappelé les efforts déployés par l'État pour améliorer le climat d'investissement et les facteurs attractifs pour l'investissement. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur ces facteurs. On peut discuter pendant des heures, hein. C'est vrai qu'il y a des points seulement. Oui. Des points. Bah déjà, les guichets uniques, ça c'est un premier point très important. Oui. Il y a toutes les lois qui sont en train d'être émises, qui clarifient la structure réglementaire de chaque industrie. Donc ça c'est un point aussi très positif, parce qu'au moins ça donne un cadre réglementaire pour les investisseurs. Ils savent comment gérer cette réglementation. Il y a le guichet unique, il y a tous les responsables des industries, il y a tous les efforts qui sont faits avec les chambres de commerce, il y a tous les nouvelles zones industrielles, il y a la zone libre de canal de Suez, il y a plein les axes routiers, les transports, c'est très important. Moi je parle avec des investisseurs étrangers, ils me disent premier, c'est faut qu'il y ait des zones industrielles, deuxièmement il faut que les produits de ces zones industrielles puissent être exportés et être transmis ailleurs, soit par des ports ou des aéroports. C'est très important, le réseau routier. L'État avait réalisé des projets liés au secteur de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable, la nouvelle, en partenariat avec le secteur privé. Alors, après cette conférence, comment avez-vous vu, ou plutôt voyez-vous l'investissement dans l'avenir? Dans l'avenir, si on veut parler de l'énergie renouvelable, bien sûr, là, c'est l'énergie de l'avenir. Donc, il ne s'agit pas juste de produire de l'énergie, mais il faut aussi développer un savoir-faire en Égypte pour pouvoir faire de la recherche et de développement de ces énergies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se limite à importer les panneaux solaires, à les installer, soit par exemple dans toute la zone de Binban, à les installer et puis à commencer à produire de l'électricité. Mais si on veut optimiser, on veut développer des panneaux solaires plus efficaces, il faut qu'on puisse développer ce genre de savoir-faire en Égypte. Oui, bien sûr. Comment on peut faire? C'est grâce aux Égyptiens qui sont déjà installés à l'étranger, qui peuvent être experts dans ces domaines et qu'ils puissent commencer à avoir des canaux de communication avec des universités pour qu'ils puissent, en premier point, par exemple, venir faire des conférences pour aussi susciter des vocations chez des étudiants, ingénieurs, pour qu'ils commencent à s'intéresser, à se dire, tiens, moi, ça m'intéresse vraiment l'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie solaire ou d'autres types d'énergie, pour développer des produits qui optimisent ou qui améliorent encore plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la technologie. Et c'est comme ça qu'on se développe. On va continuer avec vous, mais tout d'abord, nous allons voir ce commentaire de notre collègue Chérif Boussela. Poursuivant sa visite aux États-Unis, le Premier ministre Mustafa Medbouli s'est entretenu avec le représentant démocrate Dutch Rappersberger et le représentant républicain Jeff Fortenberry, deux principaux membres du groupe des Amis de l'Égypte à la Chambre des représentants. Voyons ensemble.
Mustapha Madbouli s'est entretenu avec le représentant démocrate Dutch Rappersberger et le représentant républicain Jeff Fortenberry, deux principaux membres du groupe des Amis de l'Égypte à la Chambre des représentants. Dr Madbouli a remercié les deux représentants pour leurs efforts déployés pour soutenir les dossiers concernant l'Égypte à la Chambre des représentants. Au cours de l'entretien, Mustapha Madbouli a souligné que l'Égypte rejetait catégoriquement l'offensive turque en Syrie et réclamait le retrait immédiat des forces turques. Évoquant le sujet du barrage de la Renaissance, Dr Madbouli a affirmé que la position égyptienne reste inchangée et que ce dossier est crucial pour l'Égypte. Il a évoqué ses discussions avec le vice-président américain Mike Pence sur ce dossier crucial. De leur côté, les deux représentants américains se sont déclarés conscients de l'importance de ce dossier pour l'Égypte, car le Nil est la seule ressource d'eau du pays. Les deux représentants ont également loué les liens étroits entre le Caire et Washington et ont souligné l'importance de renforcer les relations économiques et commerciales et d'optimiser la coopération avec l'Afrique. Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, des visites ont été organisées pour la délégation d'investisseurs égyptiens venant de l'étranger afin d'inspecter les grands projets nationaux en cours d'exécution, comme vous l'avez mentionné, M. Nadim Samna. Alors, comment avez-vous vu cette initiative? C'est le but de la conférence. C'est que tous ces investisseurs visitent toutes les zones industrielles, là où on a construit, ce qu'on prépare, et comment ils peuvent s'installer facilement, s'ils ont une idée d'une usine ou d'une unité productive, ils voient tout de suite à quoi ça va ressembler. Ils peuvent déjà imaginer ce qu'ils peuvent faire dans les prochaines années. Mm-hmm. C'est le but de la conférence. Hein. Oui. Madame Nabila Makram a jugé importante la communication avec les Égyptiens résidents à l'étranger, notamment les experts, les scientifiques et les investisseurs, afin de tirer profit de leur expérience réussie conformément aux directives du président el-Sisi. Commentez, s'il vous plaît. Moi, je pense que déjà la conférence, ça c'est un point important. Oui. Il faut trouver des canaux de communication entre ces experts scientifiques internationaux et dire leurs correspondants ici en Égypte. Comment on peut connecter un expert qui est au Japon avec un expert qui est en Égypte, comment ils peuvent travailler ensemble, comment ils peuvent transmettre un savoir-faire. Ça, c'est important. Je pense aussi il faut que les Égyptiens qui sont installés à l'étranger servent de relais pour les experts ou les industries égyptiennes. Voilà. On veut développer les exports et les Égyptiens qui sont installés à l'étranger sont un très bon relais. Il faut vraiment fortifier ce réseau d'Égyptiens avec aussi en le connectant avec le réseau en Égypte pour qu'ils puissent promouvoir les produits ou les entreprises égyptiennes. Oui. Voilà. Souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui ont de très bons produits, oui, mais n'arrivent pas à exporter. Oui. Parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils n'ont pas les réseaux. Ils n'ont pas les clés de l'Europe ou bien des États-Unis. Ils n'ont pas la clé. Oui, et puis même en Europe, aux États-Unis, ça reste quand même les relations personnelles qui comptent dans le business. Lorsque un Égyptien qui est déjà installé à l'étranger, qui a sa réputation, il a aussi son réseau professionnel. Là où il est installé, il peut très bien réaliser ce contact. Servir son pays. Voilà. Oui. Oui. Et puis dire, ah ben là vous avez besoin de tel produit, ben moi je connais une entreprise égyptienne qui produit de très bonne qualité, à un très bon prix, et je peux vous mettre en contact. Et cette mise en relation, elle est inestimable. Beaucoup d'entreprises cherchent cette mise en relation. La conférence de deux jours a rassemblé 65 Égyptiens ayant réussi à l'étranger dans les domaines du développement et de l'investissement. Comment avez-vous vu cette délégation?
Moi, j'ai vu que c'est une délégation qui était très diversifiée, à la fois de par les pays d'installation, de l'Australie à l'Afrique du Sud, à l'Angleterre. Enfin, bon, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui étaient présents. De par aussi les domaines ou les industries dans lesquelles est spécialisé ces investisseurs. Se représentent voilà, beaucoup, beaucoup de... Que ce soit de la construction, que ce soit de la pharma, que ce soit l'agriculture. C'est un très, très bon mélange. C'est un très, très bon mélange. Je pense que chaque année, on renouvelle cette conférence. Mais entre-temps, il faut aussi suivre. C'est-à-dire qu'on a créé un appétit chez ces investisseurs. Commencer à « Ah oui, il se passe des choses, là, j'ai envie de savoir un peu plus. » Donc déjà, leur envoyer une sorte de résumé de ce qui s'est passé pendant la conférence, parce que s'ils n'ont pas pris de notes, donc il y a beaucoup d'informations à transmettre, et commencer à les mettre en contact avec, on va dire, des personnes bien ciblées, que ce soit dans des ministères ou dans des administrations, ou même dans des entreprises privées, pour continuer à les faire vivre. Rester en contact avec les gens. Rester en contact, les alimenter en information et servir de relais aussi en Égypte. Ces investisseurs, bien sûr, là, ils sont restés quelques jours, ils n'ont pas eu le temps de vraiment tout terminer, de tout faire, de tout visiter. Et peut-être qu'il y a une idée qui va mûrir dans leur esprit et qu'ils vont vouloir développer voilà, ces prochains mois. Comment pouvoir le développer s'ils n'ont pas de relais en Égypte pour les aider, pour leur fournir les informations. Ils vont essayer de faire des études de faisabilité. Ces études de faisabilité, bah, pour qu'elles soient bien correctes, ils ont besoin d'informations. Voilà ce que je peux dire. Nous vous remercions infiniment, M. Nadib Samna, expert international en investissement. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Le plaisir est le mien. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci pour votre fidélité à NALTV. Très bonne soirée. Au revoir.